Et bonjour à, donc rebonjour à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode et le dernier. On va essayer de vendre d'avoir assez pour faire en fait. Donc celle-ci en fait elle récolte que les tomates et les concombres. Donc, du coup il manque de quoi ramasser les pommes de terre et puis j'ai terminé. Merde, pourquoi j'ai terminé? Donc le champ 37, le champ 37 il est comment? 99,15, ça veut dire qu'il en manque. Donc le temps que je fasse cette course, ben, que je remette, que je finisse le champ et que je le mette sur le champ 38, on se dit petite ellipse et à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après cette petite ellipse. Donc le champ 37 se fait. Donc maintenant on commence le champ 38. Et ça m'énerve. Lui est en attente, bien sûr. Donc on va le remplir. Prépare-toi à partir. Hop, et l'une. Ah, bah je suis vide. Bah on va le remplir. Hop, donc je vide entièrement le tas. Tac, passe sur le tas. On va donc à la remorque. Donc la deuxième, hein, parce que la première est remplie. Donc ça c'est bon. Celui-ci il a presque fini. Donc le temps qu'on l'envoie. Donc là on était au champ 56. Ouais, donc il reste encore un petit passage. Ah d'accord, bah je peux faire comme ça aussi, ça va plus vite. Lui va se remplir. Hein. Donc là, il va aller se remplir tout seul. Lui, il va aller, bah, il va vider ses deux remorques. Alors j'espère pouvoir. Je vais peut-être m'acheter l'arbre pas, celle que j'ai dans les modes là. Hop. Hop. Attendez, est-ce qu'il a fini moi? Donc on se retrouve après une petite ellipse, le temps que je remette celui-ci en route. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est reparti pour celui-ci.
suffit de la déterminer. Voilà, donc je suis ici. Je vais faire une petite ellipse, le temps de finir le champ et d'aller sur un autre champ, le 39. A tout de suite. Donc c'est bon, donc, du coup j'ai relancé la course du champ 39, c'est parti. Alors, ça donne quoi? Ça donne que celui-ci arrive. Donc du coup je me prépare à vider tout ça, mais avant tout je vais aller charger mon godet à fond. Comme ça, on sera sûr. Après il reste plus beaucoup, donc c'est très bien. Voilà, ça c'est fait, donc on y va. On va vider tout ça dans la remorque. Alors la première remorque bleue d'abord. Hop, première. Deuxième, et c'est reparti. Bon, je le laisse là, et puis si jamais ça gêne, il me dira. Donc lui, lui, c'est bon. Donc lui, il est lancé. Ok. Il faudra que je fasse les courses tout à l'heure, après la partie. J'enregistrerai juste avant, juste après après l'épisode, et après je ferai les courses qui me restent à faire au niveau du semoir du Condor là, du Grand Condor, et donc, du 15101 et celui à maïs, le 12 SW du mode du pack Titanium. Après il y a aussi les courses des machines à faire. Là je peux m'acheter, alors celle-ci elle coûte que 290. Allez, celle-là plus 15 000 plus le chariot de coupe. Comme ça on va pouvoir, alors je vais vous la montrer. Celle-là c'est un mode qu'on avait trouvé avec certains que je jouais avant. Elle est super bien faite. Elle est bien faite, assez bien faite. On peut avoir différents modes pour tourner. On a tout changé les touches. La coupe elle se met sur le porte-coupe et tout. Et le porte-coupe se met derrière la machine. C'est une super machine que je suis ravi de jouer avec. Donc on va la mettre là, on va réinitialiser tout ça. Ouais, non c'est pas celle-là. Voilà, j'ai plus les touches hein. Ah oui, non, c'est même pas dans le terre. Donc on peut avoir l'auto-steer, donc ça veut dire que l'auto-steer là ça marche pas, donc voilà. Le J elle tourne en même temps, donc c'est entièrement, elle est superbe. Donc bien sûr il y a un sens pour mettre la coupe, il me semble que ça soit dans l'autre sens. Je vais en marche avant, beaucoup plus vite en marche avant.
Donc ça, je vais tac, comme ça, au moins on verra plus clair. Donc le temps que je l'arrange, après qu'est-ce qu'il me reste à faire pour dire. Donc celle-là, je la mets là. Voilà, super. Oh, merde. Oh, c'est pas possible. Ah, là, tu vas encore me sucrer de l'argent. Vous en faites pas, on va réussir. Bah, j'espère. Faut juste arriver en fait droit. Alors, du coup, attendez, je vais mettre celui-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Total Steer. Voilà. Non. Ça. Merde, j'ai plus le truc. Ça. Non, c'est pas ça. W. J. Ah, zut. N. C'est à droite. Holstein, non, non. Ah voilà, c'est ça là. Comme une machine normale. Elle fait du 360 parce que les roues avant et arrière tournent, ben, sont directionnelles. Donc ici. Ah non, c'est de l'autre côté. Bon. Il y a un sens. Hein. Donc du coup, ben, le temps que je la range, on se dit petite ellipse et à tout de suite. Donc voilà, je l'ai rangé. Là, tu es en train de revenir. Là, t'as il y a presque plus rien. Celui-ci, pas tout à fait, mais ça, on est au champ 70. Hein. Le champ 70, il est quand même gros. Hein. Donc, champ 70, d'ailleurs, tiens, on peut avoir la taille du champ 70. Il fait quand même 7 hectares. Hein. 19, ouais, 7,69 hectares. Donc, c'est quand même un gros champ. Bon, il a presque fini. Celui-là, il nous finit bientôt. Et nous, on va se retrouver dans le, bah, dans une prochaine session. Donc cette fois-ci sur Eurotrack. Donc résultat, donc on a de quoi ramasser les betteraves, l'OAT, la tomate, le concombre, le blé vert. Le blé, l'orge, le colza, non, maintenant il faudra que je m'achète des quelques remords comme ça pour pouvoir comment on appelle ça, vider mes machines. Je vais les recharger parce que là je vois que je n'ai plus grand chose devant. Hop, il reste plus grand chose non plus dans l'état. Dota à 100 000, voire un peu moins. Hop. Il reste un petit tas, il est fini. Voilà. Donc après il restera un tas à 100 000 encore. Ça, c'est fait. Donc on va vider tout ça dans la deuxième remorque.
Hop là. Voilà. Et nous, on va se retrouver donc dans une prochaine session sur Eurotruck. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces verts, de vous abonner si vous avez envie, si c'est pas déjà fait. Et puis bien sûr de laisser des commentaires si vous en avez envie. On se dit à la prochaine et ciao tout le monde.